Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. On est accompagné d'invités incroyables. À ma gauche, vous pouvez voir Zach. Comment vas-tu, Zach? Zach Nani est avec nous. J'espère que vous allez bien. Ouais, la forme. Je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir. À chaque fois que je viens ici, j'ai un grand sourire. Donc c'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Très heureux. Zach, à chaque fois que je te vois, tu me donnes le smile. Bah ouais, même si moi, je suis pas en train de passer une bonne journée. Hop, t'arrives, boum, je passe une bonne journée. Bah oui. Zach Nani, vendeur de bonheur. T'es un cœur. Avec nous ce soir pour Master Kill Warzone. En place sur Warzone, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Ça sert pas. Ouais, j'ai pas lancé le jeu depuis 4 mois. Y a pas de problème. Vraiment, ce soir, high performer. Je te le dis, en même temps, ça permet d'en parler aux viewers. T'as de la chance, c'est un nouveau format de Master Kill ce soir. Oh, ouais, il y a des trucs assez sympas, mais moi, je sais pas quoi le monde faire, mais ça va être bien. Et sur un pied d'égalité aujourd'hui. Non, d'ailleurs, en parlant de pied d'égalité, donc on n'arrivait pas à l'avoir, les gars. Vous le voyez tout au fond. Il disait, bon, moi, je suis Lord, j'ai gagné un tournoi à 100 000 et tout, je pèse un petit peu, est-ce qu'on peut mettre plus haut que les autres? On a fait, bon, bah vas-y, ok, on t'a amené un bureau spécial. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a une demande particulière. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, tu sais, t'es Domingo un peu popcorn, là, t'es un peu plus haut. Je voulais vous mettre au niveau de mes couilles. Non, en vérité, les gars. Petite sciatique, les gars, rien de grave. Je peux juste pas rester assis plus d'une demi-heure, grosso modo. Aucun problème de douleur si je reste debout, donc on va jouer debout. Ouais, c'est un peu bizarre comme ça, je vois. Mais en vrai, c'est chelou, toi. Tu te sens un peu. Mais là, c'est première ou du coup, tu fais ça depuis quelques jours? Ça fait un mois que je fais ça. Donc, ça va, ouais, ça va, les gars, tranquille. Techniquement, tu trouves que ça nerf ton niveau de combien de pourcents? Attends, mais est-ce que c'est pas ton marathon qui t'a. Non, même pas, mec. Le marathon, il s'est arrêté en novembre. Je me suis fusillé le dos au début janvier. Il a duré combien de temps derrière ton marathon? Un mois et 10 jours. Ah ouais. Tu l'as arrêté manuellement ou... Non, ça s'est arrêté extinction des subs à 34 000. Waouh! Ouais. Très content. C'est pour ceux qui ont pas suivi ça, peut-être qu'ils sont sur YouTube ou quoi. Show a fait un live marathon où, tant que ça subait, ça rajoutait combien de temps dans le compteur? Un sub rajoutait combien? 50 secondes. Ok, donc dès que quelqu'un s'abonnait à sa chaîne, ça rajoutait 50 secondes dans le timer et du coup le live a duré un mois et 10 jours. Tu te filmais pas en train de dormir par contre? Non, il mettait des renards. Mais par contre, il mettait des vraies sessions, les gars, où du coup il commençait à 9 h le matin et il s'arrêtait à 23 h. En gros, c'était 16 h par jour. 16 h par jour. Moi, je fais ça de temps en temps, des fois quand je suis piqué à des jeux, mais c'est vrai que là, tous les jours pendant un mois et 10 jours, c'est non, mais surtout que tu faisais que du Warzone, du ouais, que du Warzone. Waouh, c'est encore plus impressionnant. Non, mais là, on va se après, déchirer. C'était le début de Warzone 2, les gars. Moi, ce soir, tout soir, frérot, les gars, je vous montre. Oh là là, il a sorti. Ça fait un moment que j'ai pas joué. L'arme du début. Allez, ciao, le clavier souris. Ciao. Pourquoi la manette ce soir, spécifiquement? Non, en vrai de vrai, c'est parce que en ce moment, les gens qui me suivent, ils savent, je suis dans un grind intensif sur Valorant. C'est très sympa à suivre. J'ai envie de devenir au moins le deuxième meilleur Usain. Ok, je vois très bien qui est la première. Non, c'est Titoun. Oh, bah, il est radiant. Mais les professionnels. Il est radiant. Elle a un contrat. Elle est payée pour. Il est radiant. Voilà. Ok, t'as gagné. Non, mais j'ai essayé. Et je reviens sur ta phrase. Heureusement qu'il y a Lily qui existe. Que moi aussi, je l'ai déjà dit ça. Heureusement qu'il y a Lily qui existe. Sinon, j'aurais perdu contre tous les Hussein. J'ai perdu contre Lily. Donc moi, je me suis tapé. Ah oui, mais toi, t'es fini. Ils m'ont fait la totale. Là, vous le savez, il y a 4 joueurs, on va dire, très corrects de manière générale. Et donc, du coup, on s'est dit, normalement, le Master Kill, le but, c'est toujours d'arriver à faire un max de kill ou de réa, se sécuriser, d'être le meilleur de la game pour justement être en sécu et le plus mauvais, celui qui a le moins à porter, paye. Très souvent, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué parce qu'il va, bien sûr, va falloir être dernier. Mais le problème, c'est qu'il va falloir essayer d'éviter d'être premier aussi. Il y a aucune chance, moi, safe. Je vais viser le top. Non, parce que lui, il va faire exprès. Attends, mais le concept de Master Kill, c'est pas de faire des kills. Si, mais maintenant, il faut les faire intelligemment. Ah, c'est Master Malin maintenant. En gros, c'est. Je vous explique très simplement pourquoi il ne faut pas être premier. Si vous êtes troisième, deuxième, rien ne se passe. Si vous êtes dernier, vous êtes dans la. Mais il y a la roue qui peut vous sauver. Pourquoi la roue peut vous sauver? Parce que en fonction de ce qui va tomber, vous allez devoir faire un défi et le défi sera toujours contre le premier. Ce qui veut dire que si t'es le plus fort de la game et qu'il y a qui tout double, là toi tu t'en fous. Parce que gros, si tu me bats, je paye double. Si je te bats, tu payes rien, mais moi je paye ce que je vais payer. Par contre, il y a le switch. Le switch, on fait un duel. Si je te bats alors que j'étais dernier et que toi t'es premier, c'est toi qui payes à ma place. Mais c'est un duel de quoi? Bah, c'est là où tout est sympa parce qu'on a plusieurs types de jeux. On a fléchette, on a tir à l'arc. C'est des trucs qui ont rien à voir avec le gaming. Y a MMA. Pour vous, surtout les forts, va falloir que vous pensiez en plus dans la game à pas être dernier, mais à pas être premier. Parce que comme ça, si t'es deuxième, tu ne me crains même pas la roue. Donc imaginons Zach est à 4 kills et toi t'arrives à 4 kills Gotha. Oui, tu peux peut-être aller partir en faire 3 de plus, mais est-ce que vaut mieux pas ne pas les faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il y aura une réflexion à avoir. Les gars, une nouvelle règle de Master Kill pour que ce soit pas simplement toi qui paye. Non, mais après, aujourd'hui, c'est bien, quoi. Bizarrement, je sais pas si vous avez vu à quel point il est hype de raconter ces nouvelles règles. Hein, mais on joue sans afficher les scores. Oh le bah. Ah, et sans rien dire, genre faut suivre et tout. Ouais. Pas mal, mais je sais pas que je regarderai l'overlay. On peut éteindre le retour. Non, mais l'idée du siècle. Alors moi, j'adore son idée. On fait au moins une game à l'aveugle. On appelle la game à l'aveugle. Si le gagnant de la game gagne ton épreuve, il n'aura jamais rien. C'est pas donc faut quand même pas finir dernier, quoi. En gros, j'ai l'impression qu'il faut quand même pas faire les poches. C'est dingue. Les règles, elles ont été faites pour aider Dwag. Il faudrait essayer de. Bah, je suis premier, je vais pas ranimer mes potes en fait. Non, mais je pense que quand tu restes, toi qui choisis à qui vont les points. Enfin, entre toi ou la personne que tu restes. Oui, mais du coup, vous allez me feed. Allez, Dwag va se retrouver à 20 kills. Ouais, on va le ranimer en boucle. Dwag 30 points, sacré Master Kill, mon Dwag. Non, je pense que ça, c'est le meilleur compromis. Il y a vachement de monde, les gars.
Mais la droite, c'est l'est, les gars. Oh frérot, t'as du délai sur ton live ? Non, venons se barre, venons se barre, venons se barre. Moi, je vais pas là-bas. Je vais pas là-bas. Chaud, c'est mort. J'ai vraiment vu 30 personnes atterrir. Zach, tu vas vraiment. Ah ouais, il y a 100. Va à gauche, 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 va à gauche. Je vais là. Oh, t'es un fou furieux, gros, t'es mort. T'as bien raison d'y être allé. Alors, moi, les gars, on est archi pas ensemble. Je suis avec Master Cure. Oh non, j'en suis tombé au point de faire des spawn dog là. Je suis vraiment pas ultra loin de toi. Oh non, j'ai fait un spawn dog, j'ai honte. Quand je fais un spawn dog, les gars, parce que j'ai spawn à un endroit en dehors de mes copains. Et je vois qui à côté de moi de là. Regarde, t'as vu, je t'ai ping. Ah. Je suis une bise. Regarde, tu préfères un spawn dog ou ce qui arrive à chaud? Non, mais tranquille, les gars, je vais au goulag, je reviendrai. Mais y'a un mec qui a pris une couronne déjà. Pourquoi il veut une couronne? Si la couronne, c'est que c'est un tocard. Va le fumer. Parce que je pense que pour le coup, toutes les armes sont plus simples à la manette. Le pistolet est super fort. Le sniper de loin, je suis pas sûr. 5 balles au duxor. Tu me plains sur moi et un autre à droite. Très bien. J'avais le duxor. Non mais chaud. Allez, c'est goulag pour moi. Goulag. Après, il y a toujours la règle. Si j'ai pas 5 kills, ça compte pas. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, Dwag. T'as essayé. J'essaie de me battre. Tu m'as rendu fier. On est d'accord que à tout moment, je peux pas passer ta vaisseau et c'est que je choisisse avant la game. Faut que tu choisisses avant la soirée. Mais attends, c'est vraiment dur, viens. Quoi? Oh putain, je suis seul face à Mojo. Ouais. Sachez, Belinana. Donc normalement c'est un losable. Depuis quand c'est du 1v1 le goulag? Depuis la mise à jour avec les plaques. La dernière. Ouais. En gros, la mise à jour, elle a été reçue vachement positivement de toute la commu. Il y a que le nerf des snipers qui pendant 4 jours ils ont one shot, ça a rendu vachement les gens heureux. Et là c'est fini. Ouais, mais le jeu devait être injouable avec les snipers one shot. C'était vachement bien. En vrai de vrai, c'était. Mais il a combien de points de vie? Bah attends, mais gros, j'ai mis 70 balles au gars. Ah bah c'est exactement la même. Alors, déjà tiré là. Ozak, regarde le nombre de balles. Ah non, mais c'est la pépé bison. Il en faut 8 dans la tête. Ah ouais, quand même. Mais elle tire vite et t'as pas besoin de viser. Oh non! Je lui ai mis la grue. C'est pas grave, Zach. Et en fait, là, ce que la plupart des gens ils font quand ils ont perdu le goulag et tout, t'attends que la zone elle soit arrivée à 0. Et une fois que c'est à 0, il y a les forteresses qui vont être annoncées. Les forteresses, c'est là où tu vas pour choper ton loadout gratuitement. Bien et sûr. Il y a juste des bots qui sont meilleurs que la plupart des joueurs professionnels. Mais du coup, comment tu réas? C'est gratuit? La réa, non, c'est 4000 balles. Et justement, dans ces forteresses, il y a au moins 16 000, voire 20 000 qui sont stackés. Okay. Donc ça vaut le coup là de temporiser comme je fais pour essayer de tomber dessus. Sachant qu'on rappelle avec les règles, la French Rules, on peut donner les points de réa à l'adversaire. Et là, par exemple, regarde frérot, celle-là elle est rouge, ça veut dire qu'il y a déjà une team dessus. Celle-là, okay, blanche, pas encore prise. Donc okay, on y va. Allez-y les gars, il nous faut des thunes. Rien de ma vie frérot, j'ai pris une balle de snipe dans les airs. En fait, le problème c'est que si tu réanimes, je sais pas si je te donne 2 points. Moi je prends le point, mais. Je sais pas ce que je fais actuellement. Je suis en train de réfléchir avec moi-même en mode est-ce que là, je mets bien ou est-ce que je suis mort hein. Non sérieux, ouais, je suis achat qu'à full thune mec, tu peux me gagner deux équipes rad, il me drop dessus en hélicoptère et tout frérot. Réa et crème. Ah, t'as pas de chop ici? Oh wow, t'es mort. Je suis mort ou j'ai du 12 gros? Oh c'est chaud. T'es prêt frérot? C'est beaucoup de sous à récupérer. T'es prêt? Mais c'est parti. Mes FPS sont des chouettes. Qui est sorti directement, qui a peur de personne. Je suis achat qui va essayer de prendre son premier duel au pompe corps à corps. Ça passe sur le premier adversaire mais il est pas seul, donc je suis achat qui va faire attention et essayer d'anticiper le positionnement des autres. Oh ça y est. Ah mais ça c'est un bot. Ça c'est pas un bot je crois. GG. Qui continue mais malheureusement le troisième aura eu raison. Mais de c'est le... pas grave parce que regarde, j'avais récupéré un redéploiement. Attends, mais... Oh attends, trop bien mais... Il avait un redéploiement, je ne sais pas ce que c'est mais il revient à la vie gratuitement. Oh Dwag. Oh là là, bah Gotham, on est en train de bien là. Je t'ai réanimé frérot. Bon, j'ai perdu 9000 balles. Les gars, il y avait des gens qui campent en haut du toit du shop. Ah, je vois que le jeu a pas trop changé à ce niveau là. Non, jury, il te manque 40$. Chaud, c'est moi là où je t'ai vu là sur le retour appuyer sur table. C'est là où il fallait pas appuyer, c'est ça? Bah, je sais pas, bizarrement ça. Ouais. Attends, regarde, bonne volonté. Surtout si j'ai bien compris les non, règles. Non, il a pas réagi. Bonne volonté, t'as pris le point du coup. J'ai fait 2 réa et j'ai pas parlé parce que je sais pas où. Bah, t'as plus 4, mec. En fait, c'est ça. Bah, t'as plus 4, t'es un crack. T'as okay. Plus 4. Mais les gars, plus 4 et la game est validée. Mais les gars, vous avez juste à vous coucher dans l'angle sur le côté en PLS et vous gagnez. Mais c'est qui le les points de réa, vraiment, tu pouvais les donner. En fait, t'as payé un mec pour qu'il pense à ça. Mais là, t'aurais pu donner tes 2 points de réa à Gotha et t'aurais pu donner tes 2 points de réa à Zach. Mais frérot, il faut penser sournois. Moi, je sais juste cliquer. Et bah, tu le dis, non, mais faut le dire à l'oral. Ok, je l'ai break. Il y a 3 gros. Oui. Down. Ouh. GG. Je suis en. Ouais, mais bon, c'est... Chouachin qui conforte sa première place. Libre à toi, hein. Il a tout compris. Je te réa, frérot. Tu donnes à qui les points, tu les gardes? Bah, je les garde, vas-y. Oh là, mais il encaisse. Et toi, tu es un bon gars, Chou. Il a pas peur. Est-ce que je peux avoir une arme, s'il te plaît, mon meilleur pote? Bien sûr, mon gars. Oh là là. Frérot, c'est des mecs qui bouffent des câbles USB au petit-déj. Il est à droite, à ma droite. Là. Oh, à ma gauche, ça m'a tiré. Ça tire à ma gauche ou pas? Parce que la M9 sur Apex, ça tire à rafale. À gauche, au top, sur un sniper. Oh, ils sont horribles. Tout doucement, chaud. J'ai pris il a pris de salle. Je le vois pas. Il est en bas. On est mort. Non, ça. Eh, baisse-le. Ah, bah ouais, pompe en feu. Ça a l'air cool votre jeu, les gars. Voilà, tu l'as vu. C'est fou qu'il est tourné.
Dommage, prendre des marchés pas mal. Il est parti à gauche, il est descendu. Il s'est barré gros, putain, ouais, il s'est enfui. Et Chouache, hein, qui se retrouve dans la même situation tout à l'heure, seul contre le monde. J'en réanime un et je lui achète une arme direct. Là, c'est de la. Mais attention, ça avait rien à ce shop là il y a genre 30 secondes. Voilà. Parce qu'avec Doug, il y a des mecs qui nous attendaient sur le shop, nous on voulait réanimer et. Tu sais, je suis Jackra gros. Donc là, c'est l'iso ça. Ah, mais oh bah ça a l'air d'être bien hein. Ah c'est cool, les duels sont pas aléatoires, c'est bien votre méta. Frérot, il m'a crack, il m'a couru dessus avec la même méta que moi. Oh là 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 là. Oh là, là en oh vrai oh le groupe de feu a l'air d'être très effrayant. Mais t'es massa gros. Je vous le dis. On dirait le show de Beyoncé frère, il y a vraiment des partout. C'est quoi le score là du coup? Combien premier là. C'est oula c'est chaud avec 12 hein, bien sûr qu'il a gardé tous ses points de réanimation. Moi je suis à 0. J'ai fait ce que je pouvais. Zach t'es 4 1. Bah ouais un petit. Ok, c'est ok. Ça me suffit à être 3ème. Gota 3. Zach Nani 3ème, Gota 2ème. Il a fait 3 kills celle-ci, donc on prend. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez tout compris. Alors, il m'a dit 1, comme quoi il en faut pas beaucoup pour être 20, toi. On rappelle la règle de quota qui rééquilibre un petit peu tout. C'est au moment de réanimer qu'ils choisissent pas. Bah après. Oui, je sais. Est-ce que ce serait pas plus juste, tu sais, les points de réanimation ou quoi, de savoir à la fin comment les attribuer pour adapter. Ah bah, ce serait trop triché. Ah. Imagine, là, on est en train de faire un master kill où le premier il paye. Oh, on est où là? Mais imagine, le premier il a 37 000 subs. pas mal. J'avoue après, que le premier financièrement parlant. Si tu veux, je peux même te laisser tourner la roue. C'est vrai? Comme ça, c'est toi qui choisis ton gage. Par contre, il faut qu'on choisisse le jeu avant. Prends ton petit micro. Que t'es pas l'impression que, que j'ai choisi le jeu en fonction de. Voilà. Les fléchettes! Duel de fléchettes, t'es ma bon spécialité. Fléchette. Oui, c'est le seul truc. C'est ma spécialité, non, je te laisse faire ennemi avec que des fléchettes. C'est pas de chance. T'imagines les fléchettes, wesh. Oh, tu sais quoi? On va pas réfléchir. Ok. Ah oui, fais tourner. Jeu de fléchettes, le premier contre le dernier. Je vais faire comme cette game. Oh, sa mère! Le duel surprise, c'est quoi le duel? C'est quoi le duel surprise? Je vous jure que c'est écrit d'avance. Le duel surprise, c'est le seul truc oui, qui fait que oui. C'est le deuxième et le troisième qui s'affrontent. Bah oui! Attends, t'as dit quoi? C'est le seul truc qui fait que c'est eux deux et pas nous deux. Bah voyons! Je te jure, gros. C'est une fois, ça va, c'est chill. Et je te paye un petit kebab. Mais gros, t'es allé mettre la dextérité du poignet là-dedans. Il faisait triple switch en 10 secondes. Et là, je dois gagner des fléchettes. Moi, je suis très nul aux fléchettes. Hein. Oh, comment t'es? Oh, oh. Wouh! Otaga qui commence. Non, flop. Non, mais il a. Ah ouais, c'est l'arbitrage maison. Genre, attends, les fléchettes, c'est censé s'accrocher. Franchement, tu sais que tu fais ça dans un bar irlandais, tu sors par où hein. Mais dans la bar. mais non, mais dans un bar irlandais, t'as vu la qualité du truc. Moi, je sais, je suis explosé. Chill. Oui, voilà. Ok. Regarde, oui, il a raison. Ça fait. Ouais, ça fait 8 points. On peut pas le. Ça fait 8 points, ouais. C'est pas fini. Otaga. Oh. Non, mais frère. Oui, je suis pas très bon. C'est vrai, je suis pas très bon. 23-0. Attends, imagine, il fait un 30. Oh le 30! Oh là là le monstre, c'est bon! Oh c'est bon! Mec, t'as fait 30! Mais par contre, elle a pas vraiment planté. Hein. Ah, mais frère, ça fait 10, qu'est-ce que tu me racontes? Mais surtout, ah, okay, non, mais vous êtes soupis, je crois que j'ai fait 10. Mais le trou, il est sur le 10. Bah oui, je suis honnête. T'as fait win, gros. Ouais, mais c'est pas moi, regarde, là, le trou, il est sur le 10. Je peux faire un trou pour lui, le mec. Eh ouais. Là, moi, j'ai été honnête parce que t'es mon frérot depuis longtemps. Tu veux que j'aille en taule, moi, maintenant? 23 à 30, 7 minimum. C'est 0. Victoire de Zach. Donc, faut que je fasse 15 minimum pour gagner. 15 minimum, mec, tu paies rien, on n'en parle plus. Oh, 23-20. Wow. C'est 10. Ça résume nos carrières. Hein. Eh ben écoutez, victoire de Gotaga. Heureusement que c'est que tombé sur la première, parce que duel surprise, c'est quand même. Mais comme par violent. Exemple, bam, 6 balles en moins, Zach. Et franchement, les gars, on est à deux doigts, je pense, de faire l'espoir du lundi avec ce genre de format sur la chaîne de Doig. Là, c'est clairement pour l'avantager. Non, mais c'est quoi? Là, c'est vraiment. Dis, mais c'est chaud qu'il a tiré la roue. Palmarès de la game, il était debout, mais pas parce que lui il a mal au dos, juste parce qu'il est éclaté au sol, il avait rien à faire. et juste, il a laissé chaud tourner la roue, il est là en mode oh là là, est-ce que ça compte si c'est dedans ou pas? Genre... Mais moi, j'aurais appris mon duel aux fléchettes tous les jours. J'ai peur de personne. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Aïe. Oh là 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 là. Ah ouais, lui il a un fusil à pompe dans le slip hein. Ce qu'il a montré chaud c'est. Attends, c'est vraiment ça. Mais j'adore, c'est. Ah ouais, non, là on est sur un gars, il est. Prêt pour la guerre. Allez, let's go, deuxième game. Maintenant vous savez exactement ce qui peut se passer. Il vous faut 5000 balles chacun, je vous achète vos armes. Il y a du monde, hein. On n'est pas seul. Oh merde, sûrement les gars. Non, mais toi t'es parti loin de nous, non? Ouais, non, mais frère, il est sur son ping jaune, il est à 10 km. Non, vas-y, venez, on va l'aider, les gars. Mais je suis venu t'aider, tu te barres. Chouache, hein, qui fait un kill. Qui veut une arme? Moi. Bah, mais venez tous sur le shop, les gars, je vous achète vos j'arrive, armes. J'arrive, j'ai 4000. Go. Comme ça, tous vous allez jouer avec les bonnes armes, et go. Hein. Et il prend soin de nous quand même, Chouache, hein. Oh, Gotaga qui vient de se faire allumer sous mes yeux. C'est à côté, c'est à côté les gars. C'est juste au-dessus. Oh, et tu me sauves la vie. Ah, dommage, j'aurais vraiment aimé avoir le kill. Tu donnes le point à qui, Zach? Bah, je donne le point à Gotha, hein. T'es sûr que t'en as pas besoin pour pas être dernier? Merci, moi. Bah, je crois que t'es toujours là, hein. Vas-y, envoie ta thune et tu me dis ce que tu veux. Tiens, mon pote, je t'ai tout lâché. Les gars, j'ai. Non, pas moi.
Oh, pas maintenant, pas comme ça. C'est moi qui... Non. Pile quand je vous achète. J'ai touché, le gars. J'ai touché un peu. Attends, mais t'as un monstre? Je prends. Tu fais Réa. Les gars, vous pouvez tenter de Réa. J'envoie Storer. Ok. Il est au top. Je vous envoie une frappe. Je vous envoie une frappe pour vous couvrir. Les gars, je vais claquer avec votre thune. Il faut me réanimer. Frérot, j'étais allongé pour vous acheter vos trucs. Bon, on te fait confiance, tu gagnes ton goulag, hein, mon ref. Ouais, ouais, imperdable. Ah, y a trois mecs qui venaient de l'autre côté là. Ouais, je bloque la transit. Mort 1. Maintenant, ils vont connaître ma position. En fait, ils arrivent de l'autre côté, genre. Ouais, je suis de leur côté, moi. Moins 1. Le mec à rush est mort. Il y en a un deuxième, il veut rush. Je le vois pas. C'était un ping. Oh, sur moi. Oh, long. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ah, mais GG mon ref Gotha, t'as 3 kills. Ouais, ouais, bah tu sais, moi je viens. Je suis plaisir de kill. Hein. Le beau jeu avant tout. Après, je trouve c'est la vente pour toi si tu finis. Il m'a explosé, les gars. Il est en HP. C'est bon, tu peux réa tranquille. Merci. Je peux revenir sur mon corps? Totalement, Zach, c'est cover. Rien à la maison de droite, rien à maison de gauche. Et s'il a l'étage, tu vois pas? Si. Ah, ça me tire encore dessus, mais wesh, c'est bon, laissez-moi. Mais bro, il est sur ton live ou quoi? Y'a un mec dans cette maison, c'est confirmé, c'est info sûr. Ah, mais sur moi aussi. Allez, je cours. C'est impossible, j'ai des armes qui... Je l'ai touché, oui. Un HP ici. Il est sur toi, Gotha. Il rentre dans la maison où je suis? Je vois pas, Zach. Terrasse. Il est reparti vers toi et je l'ai weak. J'arrive, je suis à l'étage de ton bâtiment. C'est moi. C'est les pire fils de ce que j'ai vu. Aïe, les mots sont dit. Ils sont en train de courir full méta sur nous. Sans moi, Gotha. Oh Gotha. L'horreur. Oui, Gotha largement promis en plus de ça actuellement. Ils sont deux. Ouais. Et ils sont au pont de feu. Ils me courent dessus. Frérot, ils sont pas là. Ah, en vrai, je gagne, ça, c'est vrai. T'as 18 balles, tu peux pas arrêter le rechargement. Mais c'est quoi ce jeu? Mais frère, j'ai même pas voulu recharger 18 balles, c'est que en fait pour animer c'est la même touche. Ah. Arrêtez. Oh Douag, c'est ton 104ème master kill, je t'en supplie. Là tu t'es glitch sur la caisse, frérot. À droite, monte, voilà, nickel. Bah alors Gotha, même assiste. T'as failli te faire laver. Gotha, t'es notre dernier espoir. Il est dur le goulag, je trouve. Hein. Ouais, c'est pas facile quand tu t'auto-enlèves 75% de ta vie. Oui. C'est vrai qu'en plus le goulag, tu peux pas y mettre tes règles tordues, donc... C'est celui qui perd le goulag qui le gagne. Alors si tu perds le goulag, en fait, tu dois aller tirer une roue avec un duel surprise. C'est en fait les mecs qui vous ont tué qui meurent. C'est ça. Il faut perdre le goulag pour le gagner. Bienvenue dans le Douagland. Je suis invité à un event où il faut faire deuxième, les gars. C'est ok, Gotha... Je leur donne les réa. Gotha qui met 2 points de réa à Zach Nani. Gotha qui met 2 points de réa à Chouachin. Et Chouachin revient dans la course à être premier maintenant. Il y a des largages de partout. Oh là là, je m'écrase au sol. Tu veux qu'on aille dans un largage ensemble? Ouais, vas-y là. Attention, oui, n'hésite pas à t'écraser au sol, comme ça je te réanime et je te redonne 2 points. Gotha le counter une fois de plus. Mais qui est vraiment le maître de Warzone? Dès que t'arrives en duel, Chou, tu te fais éclater, donc ça reviendra un peu. Oh, l'attaque elle est frontale, alors qu'on est dans la même pièce. Je veux bien que tu me drops une arme, s'il te plaît, moi. Et en plus il le grave. Et en plus il se fait. Ah, ça me tire dessus. Mais du coup, Chou H1, attention, on verra ça à la fin de la game. Il est break. Bien joué. Tu veux que je te finisse tes kills à terre, mon Chou? Sinon, les gars, vous savez qu'on peut aussi jouer ensemble pour faire top 1. Mais voilà. Tu sais que je t'ai réanimé, Douag. Merci beaucoup, tu m'as donné les points. Attends, Chou. Ouais, je te donne des points. Ok, cool. Chou, t'as des armes, t'as des trucs. C'était une erreur. Ouais, tu veux quoi, frérot? Tiens, je te donne 2000, je veux bien. Iso. Oh, t'es vraiment le roi du monde. Pardon. Toi. Oh, mais attends, du train. Non, j'ai raté, il est là. Comment t'es un nullard? J'ai vu sur mon écran. Ah, bien sûr. Non, c'est le pire truc. Allez, Douag, je te réanime. Non. Les gars, y'a des puntos. Je te le donne. Oh, t'es un roi. Un point donné de Gotha à Zach Nani. Attends, rien. Avec ça, Douag. Je peux l'avoir, Laisse-moi la rien. Merci. Je voulais réa Douag, j'aurais pris les points pour moi. Bon, tu kills un petit peu ou quoi là? Parce que moi, je vois des clips qui tournent sur Twitter. Non, tu kills là, tu kills pas beaucoup. Non, là. Non. Chou, t'es meilleur sur TikTok. Hein. T'es meilleur sur TikTok. C'est ça qui est meilleur sur TikTok, moi. Enfin. Je fais quoi là? Ah, parce que là, y'a pas de VPN, c'est pour ça que tu galères un petit peu. Eh, Chou, mon meilleur pote, est-ce que t'as pas déjà une plaque? Une petite plaque. Une plaquette, allez, une. Mais toi aussi, t'es infect et après, tu te demandes des trucs. Les gars, je sais plus à quel pied danser. Vous êtes vraiment des Douag. Tu sais que t'es mon meilleur pote. Il est crack, mais j'ai pas réussi à le tuer. Y'en a un autre. Ah, il est crack. Autre, pareil, j'ai pas réussi à le tuer. Mort 1. Oh, ah, ils sont deux. Ah, sur la caisse. Ils m'ont tué. Oh le bordel. Pourquoi vous avez quitté la hauteur qui est incroyable actuellement? Doc, tu veux t'assurer 2 points? Je peux te réa, ça? Derrière toi, y'a un shop. Promis, je te réa, Zach, dans pas longtemps. Sans son petit cheat, ça tire plus droit du côté de Chou. J'arrive pas à le tuer. Non. Oh, Doc, t'es vraiment éclaté. Ok, mort. T'imagines, je voulais pas le tuer. Oh, Doig, t'es vraiment arrêté. T'arrives bien avec ton système, Gotha. Je voulais pas le tuer, je l'ai quand même tué. Il y en a un sur le toit où on était, les gars. Tu voulais pas le tuer, frérot. Même deux, même deux. C'est pas du bon jeu à ta communauté? Si. Attends, réfléchissons, Gotaga. Je veux bien que tu me réagisses. Alors, moi, y'a pas d'intérêt, perso. Je vous fais le point sur les scores. Y'a Gotha à 8 points, y'a moi à 6 points, y'a Doig à 4 points et y'a Chou à 7 points. Ah ouais, là le format il est cool. Et dans tous les cas, de toute façon. Tiens, mon bro. Après, vous pouvez me réa à moi et me donner les points. Moi, tu peux me réa, me donner les points, je passe premier. Execo.
C'est malin aussi, c'est malin aussi. Et si un nombre de points ex-aequo, c'est qui celui qui a le plus de kills? C'est vrai qu'on n'avait pas réfléchi à cette éventualité. Ouais, gros. On est payé pour faire des formats et après on se gerbe dessus. Ils sont on est ouvert à toute proposition. Et yeah, notre Bad Slayer, un peu d'argent. Mais voilà. Aïe aïe aïe, si proche de. Et voilà. De donner les deux points de Réa. Let's go qui suit derrière. Je suis ni premier ni dernier. Je jure, si c'est duel surprise, je vous saute à la gorge, c'est bon? Oh là là, c'est dit. C'est dit direct. Ça y est, l'émotion est totale. Premier, du coup. Alors, le premier, c'est Gotha, 8 points. Oh, et le dernier, c'est Doig. Mais vas-y. Moi, j'ai 6 points. Les gars, il y a 4000 heures, il fait pas de kill. Bien, bien joué, Gotha. Je vois que t'as... Eh, frérot, tu sais que t'as pas perdu de niveau. T'es monstrueux à la manette. Par contre, c'est fou quand même que t'es limite en first time et tu fais des kills avec ce truc. Hein. Ah bon, c'est quand même aberrant. Vas-y, go. Bien joué, Gotaga, premier. Donne ma main va le faire. Et après, si tu veux, je te laisse le plaisir de te donner. C'est quoi, on accélère un peu. Hop, le jeu, duel, tir à l'arc. Tir à l'arc. Voilà. 3, 2, 1, hop. Ah oui, là, on peut rien. Oh, balancer, rien dire. Ah, on peut rien dire. Oh, on rappelle. Max, ce serait fou. Oh non. Duel surprise. Alhamdoulilah. Switch. Frérot, c'est toi ou moi qui paye. Là, ça veut dire que je peux te donner la somme. Regarde comme il est heureux. Regarde mais comme il est heureux alors que toi, tu l'as couvert tout à l'heure. Designé pour Doig B. Hein. Tir à l'arc, mesdames et messieurs, le perdant paye. Doig, tir à l'arc. Attention, on voit, il louche un petit peu. Zéro. Faut que ça accroche. Ok, moi ça me va si ça accroche. Hein. Je tiens à dire que j'ai perdu ici un duel de fléchettes alors que je suis seul qui a eu sa fléchette qui a accroché. Gotha, Gotha. Oh, oh le French. L'avantage, c'est que si tu touches pas là, on peut arrêter, tu payes. Et... Allez, come on. On a dit que ça accrochait, allez, dehors. Tu veux le tirer juste pour le fun? Allez, juste pour le fun et on relance une game. Moi j'ai envie de gamer là. Allez, Gotha. 6. Bravo à toi. Bravo, je paye donc la seconde game, pas de surprise. Ah. Moi si je dois faire des kills, je les ferai quand même, je vais pas involontairement. Par contre, je vais juste être malin sur les réas. Mais si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de beaux jeux proposés, ce sera le troisième et le quatrième qui s'affronteront. Quatrième contre deuxième, c'est mieux, je pense. Deuxième. Bah ouais, ah, c'est injuste de ouf. Pire. Bah non, et le ça mieux. Ouais, en fait, il dit ça parce que lui, ça pose actuellement troisième. Ah, mais okay, okay. Bah non, regarde, ça fait deux battles. Mais c'est exactement ça. Non, mais bizarre. Le troisième est bizarrement safe et c'est ta pause. C'est chelou quand même. Le deuxième a un intérêt à essayer d'être premier et le troisième a un intérêt à essayer de pas être dernier. Et donc ça fait deux battles dans le battle. En fait, de base, ce système, ils l'ont pensé pour que justement les mecs qui sont en dessous. Le mec est trop fort, peut pas aller trop vite, trop loin. Quoi, oui, c'est tu ça. Vois, il doit c'est se pour, calmer. C'est pour qu'on joue un peu ensemble, qu'il y ait pas de mecs, le top 1 et top 2 qui se barrent. Ils sont en mode, bah nous on est safe de toute façon. Ah, mais c'est clair que normalement, le vrai perdant de cette histoire, c'est Chouachin. Je comprends pas que tout le monde se plaigne, qu'il y a que Chouachin qui devrait être affecté. Quoi, hein? Non, oui, top. Bah, let's go. Si vous voulez, est-ce qu'on peut aller très vite sur. Est-ce qu'on peut aller sur la POV de Chouachin et voir ce qu'il fait pendant les pauses? S'il vous plaît. Il y a un mec de la région. Chelou, votre pote. Est-ce qu'on fait pas un petit 2-4ème là? Un 2-4 là? Ouais, pour tester. Un 2-4. Un 2-4. Un 2-4. Sur celle-là? Ouais. Allez, 2-4. Allez, 2-4. Vas-y, on part sur un 4 et 2 cette game, les gars. 3 mecs sur moi, les gars. J'ai pas vous. Sur le toit ici. Ah, mais moi, c'est rendez-vous goulag direct. Hein. Tu restes RP par rapport à ta soirée pour l'instant. Quelle horreur. Y'a absolument personne. Ils sont. Drone explosé, vous? Mais meurs! Meurs! D'accord, même les goulags, ils peuvent plus les gagner. Mais frérot, les balles passent à travers au bout d'un moment. Non, je sais pas de quel côté, mais. Ça m'a tiré de la gauche. Enfin, mais faites ouais, un ralenti. Ici, je l'ai. Faites un ralenti, vous verrez toutes les balles à travers. Oh, le gros explosif, je le vois. Waouh. Ça t'allume, Gotha? Ouais. Ok, ça va être un goulag pour ma part. J'ai mis un mec à terre, si jamais vous pouvez le finir et que il gagne un point. T'es pas si mal débrouillé, Gotha. Ok, merci. Je les break, le gars qui a. Mais Gotha. Actuellement, j'étais avec un drone explosif, j'ai déjà plus de kills que toi. Oh là là, les deux vont pas se lâcher. Comment ça, t'as pas. J'ai un kill, t'as à zéro. Ah non, mais je l'ai mis à terre, après j'ai pas de team, mais. Après, 147 de dégâts, c'est bien. Bah, c'est plus que Doc toute la soirée. Hein. C'est pas faux. J'ai masse dégâts là. Sérieux? Quoi? Non, on dirait que non. Ouais, oh. Collègue! Tu as les deux. Ah, y'en a deux sur moi. Ah! Bon, non, et Zach, bien joué, hein. Merci. Merci. Il m'a fini. Ouais, j'ai l'impression que t'as une correction à prendre. Ouais. Protégé au cash. Mais non, c'est pas si fou. Ah non, il m'a tué la grenade. Mais vas-y, bats-toi avec tir, frère. Il a chargé sa grenade, il me l'a envoyé en patate chaude. Ouais, c'est super fort ça. C'est très fort. Ça hausse direct. Blog. Oh, il m'a fumé. Aïe. J'ai aucune info, je comprends rien. Allez, le Lord. Je suis animé. Ça compte les kills de bot? Pourquoi je suis réanimé là? Ah, moi aussi j'ai été réanimé. Mais on est réanimé pourquoi là? Ah, mais c'est moi, je vous donne tous les points. Ah, tu nous as rien? Non, je rigole, je prends tous les points, mec. Je prends les 4 points, je deviens premier. Ouh loulou, je suis en danger. Ah, bah non, c'est 2-4. Oh oui! Mais frère, tu crois vraiment que je vais te laisser comme ça? Putain, mais du coup, je me bats contre Zach là, vraiment? Bagarre.
Mais non, mais je veux pas contre personne, je suis vraiment dernier. Choix, j'en dis enchaîne, double kill. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas de. T'as combien de kills, Gotha là? Zéro. Mec, il y a full mec ici qui se battent dans le. Mais on va rester ensemble, mon ref, toi t'as combien de kills? Ouais. Tenons-nous la main. Oh, let's go. Y'a Gotaga qui me suit. Je tiens la poche arrière là. Ah, ça me dérange pas, frérot. C'est très agréable. Quand est-ce qu'on se rejoint pour que tu nous droppes les armes interdites? J'aimerais bien que tu me redonnes les armes. Alors, un peu à la base de Avada Kedavra. T'as fini quoi, toi? T'as fini Pouf Souffle ou un truc comme ça? Non, moi j'ai fini Pouf Souffle, gros. Ouais, je traîne plus avec toi. Vas-y, je viens avec vous, les gens. Vous êtes où? Je suis resté RP, je suis allé dans celle où le test m'a donné. C'est, ça t'a donné quoi? Tu penses que je suis quoi? Serpentard. Tu me vois comme ça? Non, j'ai fini Gryffondor. Ah ouais? Vraiment, je pensais que t'avais voulu faire ton Dark Sasuke. Mais je voulais, mais. Toi, que t'as joué à Hogwarts Legacy, toi? Joue un petit peu en Soum-Soum, ouais. Ça t'a mis une cinquième maison, genre l'autre. Les gars, je crois qu'il y a deux teams sur moi. On arrive. Non, frérot, on se rejoint un shop, on se rejoint pas sur une team, et ensuite on va sur une team. Shop. Les gars, vous avez pas un drone? Tiens, là. Si, on a un drone au shop. Après, il va y avoir la zone, les gars, quand on va arriver. Mais les gars, ils sont en train de m'attaquer. Et là, tu veux qu'on se batte avec des tacs, avec un accessoire qu'on a ramassé par terre? Mais ils sont tous en train. Mais je peux pas partir, ils m'attaquent. On vient, toi, frérot, c'est la zone qui va venir sur toi dans 5 secondes. Voilà, je t'ai prévenu. Oh là, Odwag, attention. C'est réalisé par un professionnel. Oh là, mais. Oh, mais chaud, par contre, t'es trop chaud. 5 kills. Chaud, t'es trop chaud. Mais toi, t'es bah là, il passe premier, il se sécurise. Parce qu'on rappelle que ce 7ème là, c'est. Que ça tire à gauche, non? C'est 2 et 4. C'est pris une reveal, les gars, derrière. Ouais, ça tire à gauche. Ouais, bon, est-ce que ça nous concerne? Est-ce qu'il faut pas descendre? Allez, je descends. Tu descends où? Dans l'eau. On est mort? Mais tu nous as fait quoi, Doc? De là. Non, et en plus, j'ai tombé à terre. Moi, je passe. Mais vraiment. Eh, les gars, c'est tranquille. J'ai une bête de retard. C'est une retard super safe. T'es toujours autant détestable. Tu viens, Gotha, ou pas? On rentre dans la. Y a quelqu'un là-dedans? Non, y a personne, les gars. Sinon, le jeu, il vous le dirait. Ah, oui, ok, bon. Ah, pardon, y'avait vraiment quelqu'un, il est sur le toit! Mais pourquoi tu dis non, toi? Parce qu'ils sont fantômes. Il nous a jeté une para. Mais c'est la petite. Je l'ai touché. Quoi ça? En fait, là, les gars, on tombe dans des lobbies très tryhard et les mecs sont vraiment pas fun. T'as fait quoi, Gotha? Tu t'es barré? Bah non, j'essaie de trouver une vision pour lui tirer dessus parce qu'en fait, on peut pas monter l'échelle. Ah, il est là. J'ai touché. C'est le bazar. Il s'enfuit. Il est parti à droite là. Ah, il est dans la zone. Je vais pas le choper. Il fait le tour. Je l'ai retouché. Mais il est loin devant toi ou quoi? Ah, non, mais il va mourir là. Ah, mais je suis en train de te suivre toi, Gotha. Oui, qu'est-ce que tu veux? Espèce de nul. Chaud, ça me tire dans le dos. Alors, frérot, je nous protège du truc au-dessus. Non, vas-y, ce jeu c'est vraiment de la. J'ai tiré vraiment 3 chargeurs. Mais t'es pas mort, Dwag? Si, Gotha, je suis au sol. Il est en fight, une équipe sur moi. Ouais, Gotha, il est en fight. Je comprends rien au bâtiment, frère. Ouais. Tous les bâtiments sont nouveaux, t'as une connaissance de bat qui est insane. Allez, let's go. Voilà, mais. Tu mets un petit peu pont. T'inquiète, je réa Dwag. Oh. Ça me fait des points en plus. Tu les prends? Tu en veux? Ça t'arrange? Je veux bien me les avoir. Est-ce que je peux réa quelqu'un? Ouais, t'es moi. Pas obligé, moi, hein. Tiens, Gotha. Mais je t'ai des plaques. Alors attends, je regarde le. Je t'ai rien à faire, si jamais. T'inquiète, je prends. Ouais, je prends. Tiens, tu passes devant Dwag du coup. Tiens, Zach. J'ai pas rien. Bah, quelqu'un m'a réanimé? Bah, c'est pas moi. C'est moi qui t'ai réanimé. Et tu me les donnes ou tu les prends? Non, donnez-moi les miens déjà. Chaud, faut que tu prennes une décision directement, sinon c'est moi qui décide. Je les prends. T'as pris les 4 points là du coup? Ouais, il a pris les 4 points. Ok, bah, chaud qui se met en sécu. Là, on sécurise. Je t'ai mis quelqu'un. Chaud, viens, on va faire la bagarre. Vas-y, les gars. Oh, viens, chope-moi. Attends, chaud, je peux avoir quand même tes armes. Chope-moi au passage. Vas-y, si tu viens de tes armes. Vas-y. Je vanne pas pendant au moins 10 minutes. 10 minutes de tranquillité. Mais tu seras vraiment pipou comme tu peux l'être avec Trivia. Promets d'être pipou, Gotaga. Oui, pipou pendant. Mais attention, pas éternel, elle tient 9000. Je veux bien que tu me redonnes la suite après. Il est crack. Crack sur vous, les gars. Un HP. C'est Zach qui l'a eu, mais vraiment. Bien joué. Il est ultra weak au top. Oh non. Il est ultra weak au top. Oh, c'est pas ça. Oh, ça m'a lavé. Il y a son pote qui m'a lavé. Il est monté sur moi, je l'ai même pas vu. Ah non, il est arrivé derrière. Oh le bâtard. Juste en bas. Ouais, bien. Wesh. Mais vous, la régie, c'est tout rien. D'un coup, j'ai 6 points. J'ai 6 points de réa, mais je n'ai jamais eu de points de réa, les gars. T'as bien eu 3 réa. Les gars, juste, je vous le dis. Là où je suis mort, je vous mets un ping. Ça joue fort. Faites attention. Ah bah tiens, t'es descendu. Voilà. Ok, je prends 2 points sur Zach et je donne 2 points à Dwag. Merci pour les 2 points, Gotha. Tu donnes 2 points à Dwag et tu me prends 2 points. Bah, c'est bien, tu me mets bien, tu me permets de rester 3ème. Nice. Bah non. Je suis à 2 kills plus de. Dans Dwag, t'as combien? Je sais pas. T'arrives pas la sac! Non, en fait, la régie, je prends les 4 points. Non, bah non, on peut pas changer quand même après avoir. Non, on a décidé. Bah non, frère, t'as pas, j'ai pas le temps, on me dit pas les scores. Frérot! Bah c'est à toi de. Tu peux pas calculer et changer la décision. D'accord, là, Zach, il a raison. J'aimerais bien que tu te mettes des scores parce que j'ai 10. Alors, Gotha a 2 points. Moi j'ai 5 points. Mais comment ça, t'as 5? Ils sortent d'où tes points de réa? Non, mais j'avais les 2 points d'un moment plus tôt, je crois. T'as fait quoi? Si, à un moment, il avait 2 points de réa. Franchement, sans mentir, il me semble que je les avais. Après, si je les ai pas, enlevez-les-moi, je suis pas un tricheur. Donc 2, 3 et tout. De toute façon, même si on me les arrive, je suis devant toi. Donc 2, 3, 7 pour Dwag et 13 pour Shaw. Rien pour l'instant, c'est toi et Dwag. Allez, Dwag, Dwag, re-shield, tu vas courir plus vite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant.
Double sprint et rushield. Et toi, réanime-nous tous. Alors si je perdais ce duel, frérot. Les... let's go. Tu sais qu'il y avait un monde où tu le tuais, tu faisais triple réa, t'étais premier. Il y avait un monde, hein. Il avait l'air seul un peu, lui. Non mais attends, mais je savais pas, en fait, je savais pas que t'avais deux points de réa. Vous avez pas tenu, je vous ai dit. Moi je vous ai dit, les gars, il y a qu'une truc, c'est que moi je peux pas avec la manette suivre les scores. Il a l'air. Je fais une réclamation, je demande à la régie d'où sortent ces points de réa. Mais bon, après, moi je passais juste devant lui après. Un truc. Déjà, on va commencer par enlever ce 2, ok. J'ai 3 kills, un kill de plus que toi. Oh, comment il fait qu'il est. Non, c'est bien le précisé. C'est-à-dire que t'es meilleur, c'est clair. Moi c'est le meilleur Gotaga Zack. Voilà. Ensuite, même on me les enlève. J'ai 3, t'as 2. Donc va à la roue et tais-toi. Non. Oh mec, là il t'a plié en deux, gros. Il t'a broyé, il t'a rejeté, il t'a... J'aurais une sciatique à sa place. Si là tu me dis exactement d'où sortent tes points de réa, je vais à ta roue et je détruis Dwag. C'est vrai que je réfléchis. En fait, je me suis vu à 2 points tout le long, donc j'avoue que je me suis pas posé. Voilà, quand j'ai demandé, t'as dit 2 points et moi du coup je suis trop content, je vous réanime et je me dis. En plus, il a 2 points, il a fait qu'il calmer les choses. Tu viens de calmer les choses. Tu pars un tricheur. Tu me dis, écoute, au dernier moment j'ai pris ces 2 points de réa. Maintenant, va faire ta roue, ok. Mais dis-moi le maintenant. C'est confirmé. Zack a bien réa. Tu veux le montrer en image? Même moi, j'étais même pas sûr d'avoir reste quelqu'un. Attends, on faut voir ton argent en bas. Donc là, t'as combien? T'as 9000, c'est ça? Ouais, sur celle-là, j'étais pas sûr. Et voilà. Là, je viens de le faire. Et là, je suis à 5000. Là, en bas à gauche, on le voit, je suis à 5000. Ouais, bien vu, bien. Non, c'est confirmé. Donc, effectivement. Honnête. Désolé. Non, monsieur, je ne savais juste pas. Eh bah, vas-y, let's go. Tomber. J'y vais. On passe au jeu. Je tire le jeu. Donne-moi un V1 code, s'il te plaît. Non, mais par contre, moi, c'est bon. Oh, let's go. C'est pas une triche. La fille de ma mère, ce n'est pas mal. Il a dit à sa mère, je crois. C'est bon, Duel Call of Team va parfaitement contre Dwag. Mais tout.